Pas trop fatigué de cette dédicace aujourd'hui au Salon du Livre? Alors, c'est moins fatigant que la journée d'hier, moins tendu aussi. Non, justement, que pensez-vous de l'ambiance de ce salon? Oh, l'ambiance de ce salon est sympathique. Alors, un mot sur ce livre que vous dédicacez, « La nuit et le jour ». Il parle quand vous étiez à l'Élysée, c'est ça? Oui, pas seulement, mais il parle principalement de cette période. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme anecdote croustillante? Non, il n'y a pas d'anecdote croustillante. C'est un livre sans anecdote croustillante. Voilà, c'est un livre de réflexion, c'est qui parle de la manière dont moi j'ai vécu cette expérience, cette période, voilà, au regard de que sont mes engagements, mes références, ma vie. J'imagine que ça ne doit pas être facile d'écrire comme ça. Mais moi, j'écris toujours dans la douleur, donc c'est toujours difficile. Dernière question, un mot sur vos projets, monsieur le député. D'autres livres peut-être en cours? Oui, bien sûr, d'autres livres. Comme quoi? Alors, j'ai en projet un livre qui doit paraître fin août, qui s'appellera, un tout petit livre qui s'appellera « Discours imaginaire du transfert des cendres de Camus au Panthéon ». Voilà. Merci beaucoup. Merci.